Coucou tout le monde, coucou mes petits renardos, nous allons continuer notre aventure sur Zelda Ocarina of Time et on venait de terminer le donjon du feu. Alors, oui, ça m'arrange pas d'être là en fait, ça c'est à cause de la sauvegarde. Le boléro du feu. C'est pas ça. Oui, évidemment, je l'ai fait à l'envers. Voilà. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai pas fait au donjon du feu, enfin dans le cratère du feu, c'est d'aller voir la grande fée. Donc on va aller se TP là-bas, afin justement d'aller voir la grande fée. Normalement, c'est ici que se trouve la grande fée. Voilà, fontaine de la grande fée. Alors, je ne sais jamais. Donc, c'est. Ok. Et après, on se retépera au temple du temps. Ce sera plus rapide pour aller au lac Ilia. Bienvenue Link, je suis la grande fée de la sagesse. Je vais accroître ta puissance magique. Qui en soit ainsi. Ok, je prends. La jauge de magie a augmenté. Tu disposes à présent d'une puissance de magie deux fois plus importante. Si la bataille un jour t'épuise, j'apaiserai tes blessures. Ok. Bien. Donc maintenant, je vais me TP au temple du temps. Comme je dis, ce sera plus rapide pour aller. Zut. Ce sera plus rapide pour aller. Là-bas. Donc c'est. Allez, temple du temps. Ce sera plus rapide pour se rendre au lac Ilia. Alors après on va appeler Epona, parce qu'on a besoin d'elle pour atteindre la Kilia. Alors Epona... Non zut. Non. Je vais y arriver. J'aime bien Epona qui pop de nulle part au passage, parce que... On est d'accord qu'elle n'était pas là il y a 3 secondes. Oula, attendez, je tourne en rond. Allez, par là.
Ouais, mais là où t'as pas d'aide, t'es déjà dans le mur, donc ça sert à rien d'essayer de tout choper. Faudrait que je les fasse un jour, les spectres, même si c'est pas réellement c'est pas indispensable. Oh putain, ça c'est chiant. C'est pas indispensable parce que, bon, ça nous donne un quatrième flacon. Bon, troisième, parce que j'ai pas encore le quatrième, justement. Allez. Mais, oh, Epona, sérieusement! T'es casse-couille, hein? Cheval. C'est donc le lac Ilia qui est totalement asséché. Hein. Hey, tu n'es pas le petit mec à la fée d'il y a 7 ans? Waouh, t'as bien grandi. Tiens, voilà ta mélodie. Quoi? Non, moi j'oublie rien. Alors joue ta mélodie pour voir. Tu l'as peut-être oublié, qui sait? Joue, mec, joue. Hé, hey, c'est un ocarina. Joue ta chanson, mec. Oh yeah, c'est ça, c'est la mélodie. Ça balance, je suis soufflé. Je n'ai pas oublié cette mélodie. Je n'oublie jamais rien. Je vais te récompenser, mec. J'ai une idée. Mon pote Pierre se balade dans le coin. Joue cette mélodie et il apparaîtra peut-être. Je vais lui dire de t'aider au son de ton ocarina. Voilà, bon ça apparemment il fallait absolument lui parler pour que finalement Pierre apparaisse. Je vous avoue que j'étais plus sûre de ça. Mais alors pour le coup, avant toute chose, normalement, je pense qu'on peut récupérer la mélodie qui nous TP ici au lac Ilia. Normalement, on devrait peut-être rencontrer quelqu'un. Il y a une tombe ici. Je te vends des noix mojo. Alors non, merci. Des flèches, non merci. Et toi? Bah, ils vont sûrement des bombes à mon avis. Des bombes, ouais. Non merci. De toute façon, eux c'est des arnaqueurs. Hein. Totalement des arnaqueurs. Hein. Parce que 5 bombes pour 40 rubis. Bonjour l'arnaque. Les premières lueurs de l'aube se reflèteront sur le lac et tirent vers l'astre du matin. Ouais, donc à mon avis, il est trop tôt pour avoir le truc. C'est qu'en fait, il faut aller. Ouais, je sais où il faut aller. Il faut d'abord faire un truc avant que Shake apparaisse. Toi, tu m'emmerdes. On dégage. La question c'est est-ce qu'on peut y aller d'ici? Je ne pense pas qu'on puisse y aller d'ici en fait, puisqu'en fait normalement. Ouais, voilà, c'est bien ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce que j'ai pas fait la dernière fois, c'est qu'on va retourner. On va retourner. Zut, je vais y arriver. J'ai toujours un doute. J'ai toujours un doute. Bah pour le coup, on va faire un peu d'annexe alors. Normalement, si je retourne dans le donjon du feu,
on pourra vérifier sur la carte, mais il me dira que j'ai pas toutes les sculptures là. Aïe, ah, mes genoux! Mes genoux, mon bassin, ma colonne vertébrale! Donc si je regarde sur la map, en effet, je n'ai pas le symbole, donc je n'ai en effet pas toutes les trucs. Alors par contre, il faut que je me rappelle comment est-ce qu'on va là-bas. Donc ça c'est pour le boss. Attendez. Il faut que je me rappelle comment on va dans la zone en question. Ascenseur! Ok. Bon, maintenant on va voir si... Maintenant qu'on a parlé à l'épouvantail, on va voir si le poteau va apparaître facilement ou pas. Parce que je sais que même en parlant à l'épouvantail, c'est un endroit où le poteau épouvantail, il a du mal à apparaître. Oh non. Ah ! Évidemment. Donc, voyons si le poteau apparaît. Ha! Ah mais on n'est pas au long... Ah mais on est pas au même endroit, je suis conne. On n'est pas du tout au même endroit en fait. Ah ok. Attendez, parce que pour le coup, je sais plus où on est en fait pour le coup. C'est quoi? Hop! Faire le trajet dans l'autre sens, là au moins je sais où je vais. Aïe 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 aïe, je fais n'importe quoi. Hop. Ça c'est vrai que c'est aussi chiant quand on dégringole comme ça. J'ai jamais remarqué qu'il y avait un trou là-bas. Bon. Ah, on peut pas monter, elle est trop haute. Ah. Bon. Ah.
Et au passage, je la prenais pas sur la tête, hein. C'est un coup à se faire one shot. Ok. Bon, ce coup-ci, on essaie de plus tomber, hein. Parce que c'est là-bas que se trouve la dernière sculpture là, justement, de ce donjon. Et ça me ferait chier de ne pas réussir à la choper. Parce que l'épouvantail ne veut pas se montrer. Je vous l'avais dit que c'était une saloperie, ce épouvantail. Ah, ça y est, voilà. Ok, donc à mon avis, c'est vraiment ça. Il faut vraiment lui parler. Il faut vraiment retourner lui parler pour que ça marche. Hop. Ok, bon, je pense que ça confirme qu'il faut vraiment parler à l'épouvantail pour qu'il puisse apparaître une première fois. Sinon, c'est pas la peine. Ok. Déjà, on l'entend, hein. Je vérifie, hein, je crois qu'il en reste une encore. Ouais, il en reste encore une. Voilà, on l'entend aussi au passage. Merci téléphone. Voilà, il est en silencieux. Donc normalement si je regarde la carte maintenant. Voilà, là on a toutes les sculptures là. Et il nous reste un dernier truc à faire. C'est qu'en fait il y a un coffre à récupérer. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais on va essayer. Ouais, bon d'accord. Évident à récupérer un peu celui-là, mais bon, je crois que c'est juste des rubis. Hein. Je suis trop loin, sérieusement. Oh, je vous avoue, non, non, je vous avoue que je m'en fous. Normalement, si je rejoue le boléro du feu, je crois que je. Attendez. C'était les sculptures là en fait, hein. Donc le coffre. Et comme je dis, je suis quasi sûre que c'est des rubis, donc. Donc voilà. Ok, ça c'est fait. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va en profiter aussi pour aller chercher les dernières sculptures là qu'il y a dans la caverne de Dongo. Tous les gorons sont rentrés chez eux. Salut les copains! Ouais, petit raccourci. Petit raccourci. Donc,
Si je regarde bien ma carte, je n'ai pas le petit symbole pour la caverne de Nango, donc je n'ai pas mes sculptures là. Ok, il m'en reste encore une. Attendez, je vérifie où elle est parce que je vous avoue que je ne sais plus trop pour le coup. Ah, je pourrais peut-être pas l'avoir tout de suite en fait, parce qu'il faut un, il faut autre chose en fait. Ok. D'accord. Ouais, pour le coup, il faudra que je revienne dans la caverne de Django parce que j'ai. Il me manque un truc pour avoir la dernière sculpture là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on a déjà récupéré 3 sculptures là. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, ben, ce qu'on va faire maintenant. Ah, je peux peut-être enclencher. Je pourrais enclencher un autre truc. Alors, attendez. On est à combien de temps? On est à 20 minutes? Je peux enclencher un autre truc alors. Oh! Ça, on pourra terminer la vidéo tranquillement et la prochaine fois on pourra faire un autre donjon. Je la voyais plus haut pour le coup. Mon frère a ouvert un nouveau magasin, c'est la boutique de l'arme de l'âme de Médigoron. Mais moi, je forge les meilleures épées du monde. Les ouvriers iliens admirent mes talents, je te jure. D'accord. À mon avis, il est trop tôt. Ok. Décidément. Bon, bah, décidément. Oh! Bon, on a bien fait de venir ici. De toute façon, on refera, plus tard, on refera les zones pour retrouver les sculptures là manquantes. Hein. Oh.
Je viens de finir ce cure-dent, qu'en dis-tu? Je prends. Obtenez la lame des géants. Appuyez sur B pour attaquer, vous ne pouvez plus porter bouclier. Mon frère est un forgeron très réputé. J'ai encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir forger des armes aussi robustes que les siennes. Ah. Peut-être qu'il fallait obtenir cette épée-là avant de pouvoir... je sais plus en fait. Hop. On peut essayer de retourner voir Bigoron. C'est vrai que j'ai pas regardé la carte, tiens. Chemin du péril. Ok. Mont du péril, on n'a pas encore le symbole de la sculpture là, donc on a en effet pas récupéré toutes les sculptures là. Bon, c'est beaucoup du tournage en rond, je suis désolée. Mais moi comme ça, ce qui est fait ne sera plus à faire. S'il faut pas la casser en fait. Okay. Ouais, donc à mon avis il faut attendre un truc en particulier à mon avis. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là, je pense simplement. Comme ça je pourrais clôturer la vidéo. Donc, on va faire... Non. Hop. Bah écoutez, on va clôturer la vidéo ici. Et la prochaine fois, on pourra s'attaquer justement au prochain donjon. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez aimé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch. Hein. Sachez que je fais Majora's Mask sur Twitch en ce moment, le vendredi. Voilà. Et moi, je vous dis ciao tout le monde!